Bonjour et bienvenue à Munich. Munich, c'est évidemment la fête de la bière, mais c'est aussi le salon de l'automobile IAA Mobility. Et donc là, je suis sur un stand qui m'a fait tilt, le stand du Crédit Agricole. Oui, la banque, elle est là pour montrer aux Allemands que les Français s'y connaissent en finance. Et bienvenue, on est aujourd'hui en Allemagne, à Munich, pour le salon IAA Mobility. On est là, puis on va faire des petites rencontres, plus particulièrement là sur un secteur qui commence vraiment à nous intéresser de plus en plus, c'est le secteur du financement de l'automobile. Pourquoi ? Parce que les voitures sont de plus en plus chères et qu'aujourd'hui on est plus en effet sur un coût mensuel que un coût à l'achat. Et cette marque m'impressionne de plus en plus, je la suis depuis 2-3 ans et elle construit petit à petit son avenir et ses marques. C'est le Crédit Agricole Consumer Finance, donc CACF. Donc c'est une filiale qui est vraiment dédiée au financement de l'automobile. Et là, on va rencontrer Vincent Carré. Est-ce que vous pouvez me parler de vous, parce que vous venez d'arriver dans un nouveau poste un peu particulier chez CACF. Donc dites-moi, quelle est votre responsabilité aujourd'hui? Alors, ma responsabilité aujourd'hui est assez simple. Je suis le patron de toute l'activité service de CACF, c'est-à-dire le nouveau pôle de service qu'on est en train de créer et sur lequel on vient de faire plusieurs annonces importantes et qui sera au service de l'ensemble des entités automobiles et mobilité de CACF, c'est-à-dire l'ISIS d'un côté, CA Autobank, Drivalia, Crédit Plus en Allemagne, etc., dans l'ensemble de l'Europe. Donc nous constituons un pôle de service assez ambitieux qui a vocation à proposer aux clients plus de 20 services en Europe à l'horizon 2026. Moi je viens du monde automobile, d'accord, donc 30 ans de carrière dans l'alliance Renault-Nissan, tous les métiers de l'automobile, ce qui m'a amené aujourd'hui dans cette nouvelle direction. Une première partie de carrière très très classique, orientée sur tous les métiers de la vente et du marketing. Une deuxième partie beaucoup moins classique, j'étais le premier patron des ventes de véhicules électriques monde du groupe Renault pendant 5 ans. Et ensuite, je me suis occupé de beaucoup de mobilité. J'étais l'un des créateurs de la marque Zity, qui est l'autopartage urbain de Renault. Donc, une deuxième partie de carrière très électrique, très mobilité. Et ça vous explique aussi pourquoi j'ai eu le grand plaisir de rejoindre CACF et pour mettre en œuvre ses ambitions dans la mobilité. Alors, quelles sont ces ambitions justement? Vous avez parlé de 20 services. Moi, je voudrais qu'on soit un peu plus concret pour les gens qui nous écoutent. Alors, il y a en fait aujourd'hui, le marché automobile est en train de basculer vers la location. Location courte durée, moyenne durée, longue durée. Et on s'est doté au sein de CACF d'outils très puissants pour répondre à ce changement du marché. Bien sûr l'ISIS, bien sûr Drivalia qui fait l'ensemble de la location toute durée. Et la location, elle appelle des services. C'est-à-dire que dans les loyers de la location qui sont plus faibles que ceux du crédit, les gens, les Européens ont de la marge pour ajouter des services. Ces services sont d'un ordre très très large. Et nous, on a fait en ce moment trois pas très importants. D'abord, on a passé un accord stratégique avec Opteven pour disposer de nos propres contrats de service. Extension de garantie, contrats de maintenance qui vont être au service de nos clients, de nos entités et de nos partenaires. Tous nos partenaires automobiles vont pouvoir bénéficier de ces services. Avec Opteven et cet accord, on se remet au meilleur niveau européen en termes de couverture de contrats de service, en termes de qualité. Deuxième mouvement très important qui là nous met plutôt en avance, on annonce aussi sur le salon de Munich notre prise de participation dans iFlow, qui est l'un des grands acteurs européens de la livraison à domicile. Donc iFlow a une offre complète de services à domicile. Vous avez bien en tête avec le Covid à quel point ce type de service s'est accéléré. Le service à domicile, c'est le Amazon de l'automobile. Je prends livraison de mon véhicule chez moi ou au bureau sur rendez-vous, le jour où j'ai choisi, à l'heure que j'ai choisi. C'est vraiment un service d'une qualité exceptionnelle. Et en même temps, iFlow récupère mon ancienne voiture, fait son état des lieux et la rend à mon loueur ou à mon garagiste. Donc c'est un service qui a une valeur énorme. On sait que les deux tiers des Européens vont consommer ce service, ils veulent le consommer. Et c'est des services qui sont à très forte valeur ajoutée. Et donc on vient d'annoncer notre prise de participation majoritaire dans iFlow, qui est une très belle start-up française, qui est basée à Paris, qui est dirigée par deux jeunes formidables qui s'appellent Claire et Idriss. Les deux fondateurs travaillent avec nous, ils vont se développer avec nous, et on va faire d'iFlow, qui est une entreprise qui est déjà présente dans 4 pays, une entreprise européenne.
avec, avec de grandes ambitions à la fois pour le business et pour la qualité de nos clients. Et puis le troisième pilier qu'on annonce, qui là nous met un petit peu ailleurs, hein, c'est le lancement de nos opérations d'autopartage rural. Alors dans le monde de la location, quand on vend à des, ou quand on loue à des clients professionnels, on a de plus en plus besoin de solutions d'autopartage. Et sur la base technique de nos solutions d'autopartage qu'on propose déjà à nos clients flotte, hein, c'est très simple, hein, vous achetez, vous louez 300 voitures, vous voulez en partager 20, 30, 40 entre vos salariés, et ben nous on est capable de proposer ce service déjà, au travers d'Agile Autopartage, qui est notre première filière d'autopartage en France. Et grâce à cet outil, on lance un nouveau service qui est de l'autopartage rural. Et on annonce notre première opération le 12 septembre à Fayence, près de Nice. Pourquoi autopartage rural? Très très simplement, hein, la mobilité elle n'est pas très égale en France et en Europe. Beaucoup de mobilité en ville, manque de mobilité dans les zones rurales. Manque de transport en commun, manque de voitures. En France, hein, c'est là qu'il y a le moins de voitures dans les zones rurales, c'est là qu'on a le plus besoin. Et donc on a conçu un modèle d'autopartage rural qu'on teste sur cette communauté de communes de Fayence, qui est une très jolie communauté à 66 km de Nice. Nice, qui pour ne pas le dire, est une zone à faible émission, une ZFE. Donc il y aura besoin pour les habitants des campagnes, qui ont des véhicules plutôt anciens, de rentrer en ville. Et on fait une solution complète d'autopartage avec des voitures particulières, des utilitaires, des microbus, qui vont être à disposition de l'ensemble des populations. Véhicules électriques, assemblés en France, donc une opération très vertueuse, et bien sûr montée en partenariat avec nos caisses régionales, qui sont le bras armé du Crédit Agricole dans l'ensemble des régions françaises. Voilà, donc trois piliers très forts, hein, qu'on annonce ici. Les contrats de service avec Opteven, on se met au meilleur niveau du marché. iFlow, la livraison à domicile, là on se met vraiment dans une logique très ambitieuse, une logique d'avance par rapport à beaucoup de nos concurrents sur le marché. Et puis l'autopartage rural, là on est ailleurs, mais on est aussi très fidèle aux valeurs du Crédit Agricole et aux projets sociétaux. Je vais aller un peu plus loin. Quel est l'avenir? Pour moi, le CACF est très axé sur le monde professionnel, on va dire ça comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec vous, on va de plus en plus sur le leasing de voitures, du fait de l'électrique, de l'usage et ces choses-là. Est-ce que vous avez un projet pour démocratiser le leasing auprès des particuliers? Oui, alors le projet, il est double. Hein. C'est bien sûr de démocratiser le leasing, c'est-à-dire d'être le plus agressif possible dans nos solutions de leasing, en même temps de proposer les services qu'ils font avec aux meilleurs tarifs, mais également de démocratiser la partie électrique du leasing. C'est ça qui nous intéresse. Nous, on a vraiment envie de s'orienter vers le monde de demain, vers la mobilité verte. Et donc aujourd'hui, on est très orienté dans nos partenariats, dans nos discussions sur les gens qui font de la voiture électrique ou électrifiée. Et donc c'est vraiment notre objectif majeur. Et tous nos efforts, y compris en termes de commerce, en termes d'agressivité sur nos tarifs, sont orientés sur la voiture verte. Okay. Est-ce que vous avez beaucoup de Chinois dans votre portefeuille? On en a parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui amènent des voitures à des tarifs très agressifs. Donc, on en a dans notre portefeuille. Mais notre premier partenaire, c'est Stellantis avec l'ISIS. Et aujourd'hui, Stellantis est de très très loin le premier partenaire de CACF. Et nous avons bien la volonté, la stratégie d'accompagner Stellantis dans la démocratisation de ces voitures électriques et électrifiées auprès du grand public. Donc, si je vous ai bien compris, le 12 septembre, j'ai reçu l'invitation. Malheureusement, je ne peux pas m'y rendre parce que je suis dans une autre opération presse. Vous avez donc de mémoire Agile Auto Partage qui se lance donc dans le sud. Nous on fera donc un petit état des lieux juste après et peut-être même un essai un peu plus tard pour savoir ce qu'il en est. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour non, je pense que là on vient d'annoncer nos trois premiers piliers de notre stratégie service. Je vous ai dit qu'on aurait au moins une vingtaine de services en 2026. Ça veut dire qu'on aura beaucoup d'annonces dans les trois ans qui viennent sur tous les grands aspects des services de la voiture électrifiée, la recharge, la partie assurance, etc. On aura plein d'autres annonces. Vous voulez vraiment tout couvrir. Exactement. On couvrira l'ensemble des services qui complètent nos offres. Ah, il y en a 20. J'en ai pas eu 20 de services. Il y en aura une bonne vingtaine, même probablement plus à l'horizon 2026. Notre volonté, c'est qu'à un moment donné, dans tous nos parcours digitaux de leasing, le client puisse optionner un certain nombre de services et constituer son propre leasing à la carte, en fait. Et c'est comme ça qu'on est en train de s'orienter. Ok, très bien. Bon, nous, on donne rendez-vous un peu plus tard. J'ai un autre rendez-vous. Merci. Merci.
se voit ici, donc au salon IA. Ça fait longtemps que je voulais te revoir. Ça fait déjà quelques temps donc, qu'on s'est croisés. Bon, il y a eu le Covid, ces choses-là, donc c'est compliqué. Mais là, tu as pris un poste, un nouveau poste. Apparemment, tu serais le patron de Lizzy. Ah, Lizis, oui, oui, bah. Tout à fait. En plus, c'est pas tout à fait un mauvais poste parce que c'est en plus de ce que je fais. Donc je reste en charge de la stratégie auto du groupe et puis voilà des sujets auto et mobilité du groupe CACF, donc Crédit Agricole au niveau mondial. Mais en plus, effectivement, j'ai l'honneur d'être devenu président de Lizis, la JV à 50-50 entre Stellantis et CACF. Et qui est totalement focus sur les activités de location longue durée. C'est l'addition de l'ancien Lizis, l'ancien loueur longue durée de l'univers FCA, Fiat Chrysler en Europe, et de Free to Move Lease, qui était donc l'activité de location longue durée de l'ex-univers PSA Opel. Voilà. Et lorsque on additionne ces deux univers, bah, tu vois, le chiffre à fin juin, très bon, vraiment très content, c'est 846 000 véhicules en parc. Et ça croît chaque mois. Et c'est sur ce périmètre qu'on a annoncé notre ambition d'être à au moins 1 million de véhicules en parc dans la flotte de Lizis à horizon 2026. Voilà. Le départ, alors comme tout départ, il y a pu y avoir des calages ça et là dans différents pays. Normal. Mais je pense qu'on est en capacité de dire aujourd'hui, on se voit début septembre à Munich, on est en capacité de dire qu'aujourd'hui l'avion vole et il va voler chaque jour de mieux en mieux et le début est vraiment très bon, on est extrêmement satisfait. Bon. Moi, je voudrais que tu me parles justement de cette ambition. Donc, 1 million, ok, mais comment on fait pour arriver à 1 million? Et je sais très bien que les ambitions sont. On va chercher un lieu à 1 million 100 dans pas longtemps. Donc, voilà. Oui, comment on fait? Tu sais, de toute façon, c'est notre partenaire Stellantis qui a déjà dévoilé qu'à horizon 2030, l'ambition serait non pas de rester à 1 million, ce qui est l'ambition 2026, mais qu'à horizon 2030, on disait 1 million et demi de véhicules. Et oui. Donc effectivement, tu vois bien que ça va continuer à se développer. Bon, d'abord, Lizzy, c'est dans une approche multimarque. Voilà. On s'adresse à tout le marché. C'est là tout le secret d'ailleurs. Je ne sais pas comment vous avez réussi vraiment à ouvrir le champ quoi, grâce aux deux marques, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est parce que vraiment on a voulu faire et nous sommes parvenus à faire l'addition du meilleur des deux. Voilà, on a souvent additionné plus qu'arbitré. Et il se trouve que l'ancien Lizis, l'ancien loueur du périmètre FCA, était déjà beaucoup dans une approche multimarque. Non seulement sur les produits, donc une capacité à louer et à reprendre en termes de buyback et donc d'approche de valeur résiduelle des véhicules de toute marque. L'ancien Lizis était market leader notamment en Italie et présent dans toute l'Europe. Et voilà. Et il y avait déjà une vingtaine de pourcents du portefeuille qui était sur des marques autres que celles d'FCA. Donc tu vois, un vrai savoir-faire là-dessus. Et pas seulement sur les produits, mais également sur les services. Parce que lorsque on est dans une approche multimarque, il faut être capable bien sûr de louer le véhicule, mais également de l'entretenir, de lui changer les pneus, etc. Donc c'est tout l'approche produit et service qui est multimarque. Et cette approche multimarque a été étendue donc à l'ensemble du périmètre de ce nouveau loueur, qui à nouveau reprend le nom de Stellantis, parce qu'on capitalise sur ce beau nom. Et puis ensuite, on a le développement. Au-delà du multimarquisme, on a le développement des marques Stellantis en propre, avec toute la prescription que les réseaux de Stellantis à travers les 11 pays de Lizis va avoir de nos offres de location longue durée. Et là, il faut reconnaître qu'il y a une puissance énorme dans le réseau Stellantis. Il y a une puissance énorme. C'est Stellantis et le groupe VAG se battent chaque année sur le leadership. Mais il me semble que le réseau Stellantis est un peu plus dense que le réseau Volkswagen encore. VAG Group. Donc voilà, une grosse, grosse puissance de prescription du réseau Stellantis en plus de cette approche multimarque. Et donc pour aller chercher ces fameux 1 million, 1 million 100, 1 million 5, vraiment qu'est-ce qu'il y a de petit secret? C'est ça que je voudrais connaître. De toute façon, tu sais, le secret, il n'y a pas de mystère. On est dans des business models qui sont, comme on dit en bon anglais, customer driven. Donc le secret, c'est d'être à l'écoute des clients, de regarder les tendances du marché, de s'apercevoir qu'effectivement, bah, par exemple, le fleet management prend une place de plus en plus importante, que les clients sont très intéressés
par des services traditionnels, mais également des services nouveaux, que l'électrification, le verdissement du parc automobile draine beaucoup d'émergence de nouveaux services. On a des nouveaux objets qui sont entrés dans nos vies. Et il y a quelques années, les colonnes de recharge électrique ne faisaient pas partie de nos vies. Aujourd'hui, elles sont là. Il convient d'être capable de les installer. Il convient, une fois qu'elles sont installées, il convient d'être capable de les entretenir. Et puis, si une colonne électrique tombe en panne, parce qu'elle a le droit de tomber en panne, eh bien, effectivement, il faut être capable de la réparer. Donc, tout ça correspond à des nouveaux services. Et puis, tu sais, par exemple, dans le cadre de la crise Covid qu'on a pu traverser, on est quasiment tous devenus clients Amazon. J'entendais par exemple qu'en France, il y aurait plus ou moins 21 millions de comptes clients Amazon en France, ce qui est colossal. Et avec tout l'aspect livraison à domicile qui va avec. Au-delà d'Amazon, c'est juste un symbole, mais au-delà d'Amazon, dans tous les domaines de services, on a pris beaucoup l'habitude, tous autant qu'on est, d'avoir des services à domicile ou au bureau. Voilà, donc tu vois, le fait d'être capable de livrer un véhicule à domicile ou au bureau fait partie aujourd'hui d'une certaine, entre guillemets, nouvelle normalité. Il faut être capable de répondre à ce type de nouveaux besoins. Nous sommes dans cette approche. Comment vous allez faire pour développer les ventes en particulier? Est-ce que c'est un objectif, ça, disons, en dehors du réseau? Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est... Sur la location longue durée, tu veux oui, dire? C'est ça. Ouais. Parce qu'on voit vraiment le phénomène vraiment s'intensifier, et pourtant, j'ai l'impression de ne pas vous voir tant que ça. Ouais. Sur le... Alors, y a, à date, il y a toujours deux réalités. Il y a une réalité plutôt en Europe du Nord, ouais, où ce qu'on appelle le private lease, la location longue durée particulier, est déjà très présente, voire dans des pays comme les Pays-Bas, par exemple, majoritaire, 75%, je crois, plus ou moins. Je n'ai pas la dernière stat, mais j'ai en tête un chiffre de plus ou moins les trois quarts des Néerlandais achètent les particuliers, achètent leur véhicule, justement, ne l'achètent pas, mais le louent. Je crois qu'au UK, il y a des scores aussi, au Royaume-Uni, des scores déjà très, très, très importants. En Europe du Sud, la réalité, n'est pas encore au même niveau de maturité. Mais très certainement que ça viendra, et ça viendra sans doute d'autant plus avec un renforcement de la future réglementation autour de la LOA. La LOA est devenue toute puissante. On sait déjà que le crédit a perdu la bataille. Oui, chaque année, il en fait un peu moins. Et c'est déjà la location avec option d'achat qui, dans la plupart des pays d'Europe du Sud, est devenue majoritaire. En France, plus que partout ailleurs, d'ailleurs. Voilà, la prochaine step, ce sera de voir quel est l'impact des nouvelles éventuellement régulations sur la LOA pour observer si ça ne met pas un coup de boost à la location longue durée. Je te l'ai fait observer qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de constructeurs, enfin je te mets au défi de me montrer une publicité télé ou radio ou presse écrite d'un constructeur qui soit sur autre chose en termes de support financier que de la location longue durée. On sait, c'est une question de réglementation, il y a trop d'astérix, il y a trop de choses à mettre en place. Voilà. Donc, bon, de toute façon, ça semble être le sens de l'histoire. Alors, comment on va faire? Je reviens à ce que je t'ai dit juste avant, c'est-à-dire que nos business models sont dictés par les clients, c'est customer driven. Donc, voilà, quand le client ressentira le besoin, nous, on est là et on sait faire. Bon. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour nos lecteurs et ceux qui nous écoutent? Écoute, en dehors du fait que on va se lancer dans le troisième pilier de notre stratégie auto, après avoir exécuté les deux premiers piliers de notre stratégie auto, qui étaient, un, être présent dans la location longue durée, l'ISIS d'une part et Drivalia de l'autre, plus Agile Auto en France à travers le réseau bancaire, nous montre que nous sommes très présents, pour ne pas dire omniprésents, dans la location longue durée au niveau pan-européen. Deuxième pilier qui était de dire qu'il faut absolument, dans le cadre du verdissement du parc automobile, au-delà d'être présent dans la LLD, il faut être aussi un acteur pan-européen. La reprise d'FCA Bank, devenue Crédit Agricole Autobank, CA Autobank, nous donne un footprint, une empreinte géographique que je vais qualifier d'assez large, puisque je crois que c'est la meilleure du marché en termes d'acteurs indépendants. Aujourd'hui 19 pays. Et le troisième pilier, nous l'exécutons maintenant avec... En expliquant au marché notre offensive sur les services. Certains services assez conventionnels, d'autres assez innovants.
On a parlé tout à l'heure de livraison à domicile, etc. Donc ça va donner le fameux va service jusqu'en 2006 et exactement. Plus. Exactement. Et sinon, bah voilà, écoute, depuis le 3 avril dernier 2023, nous exécutons cette stratégie à reprise de FCA Banque devenue CA Autobank. Mmh. Et je dois dire qu'on est assez satisfait, ouais. Vraiment. Ok. Bon, on se donne rendez-vous à des nouvelles perspectives bientôt. Et j'espère avec bons chiffres. Avec grand plaisir. Et surtout des belles surprises. Voilà. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. À bientôt. Au revoir.